Et sa notification à l'intéressé. Un des signataires a soutenu n'avoir jamais apposé sa signature sur la susdite et a porté plainte auprès des institutions judiciaires contre l'initiative de la pétition pour faux et usage des faux, dans la négation des dispositions réglementaires relatives des litiges opposant les députés entre eux, notamment devant la commission spéciale instituée dans ces cas précis dans notre institution et le comité des salles. Il est regrettable que le parquet général, près la Cour de cassation, ait qualifié ces faits d'infraction flagrante sur la seule déclaration du plaignant, l'honorable Mpianantumba Simon, alors qu'il existe des députés signataires comme lui de la dite pétition qui sont disposés à témoigner et à contredire ces allégations. En outre, il s'y est de noter qu'il ne peut s'agir d'une infraction flagrante qui suppose une infraction qui s'est commise ou qui vient de se commettre. Or, il y a 10 jours entre le dépôt de la pétition et l'arrestation. Cette arrestation constitue une désolation pour notre Chambre et viole de manière intentionnelle les droits garantis aux députés nationaux par les articles 107 de la Constitution et 101 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui stipule expressis verbis la détention ou la poursuite d'un député est suspendue si la Chambre dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours. Devant cette arrestation et détention arbitraire, nous, députés nationaux, toutes tendances confondues, exigeons la relaxation pure et simple et la suspension des poursuites de l'honorable Jean-Jacques Mamba. Cette arrestation illégale jette le discrédit sur notre magistrature dont les nouveaux acteurs devaient refléter le renouveau tant vanté par une praxis nouvelle et non pas par des pratiques injustes. Nous exigeons des excuses des instances responsables de cette arrestation et invitons le comité des sages de l'Assemblée nationale de statuer toute affaire cessante sur les cas litigieux en question. Nous rappelons que l'équilibre et la séparation des pouvoirs est un principe sacro-saint de notre démocratie moderne qui doit être respecté pour la bonne santé de notre pays. Cette arrestation intervient dans un contexte de hausse des cas de violation des droits de l'homme et de recul démocratique dans le pays depuis un certain temps. Nous appelons les différents pouvoirs institués à maintenir la concorde nationale et la collaboration interinstitutionnelle. Le président des groupes parlementaires et le président des comités de sages. Il y a une réunion de la conférence des présidents, bien entendu présidée par l'honorable Jeannine Mabunda. Il s'agit effectivement d'une réunion tenue en urgence à la suite de l'arrestation de l'honorable Jean-Jacques Mamba, élu de Lukunga, ici sur place à Kinshasa. Les membres de la conférence des présidents ont rappelé que la République démocratique du Congo a une histoire. Une histoire qui a fait qu'il y ait des gens qui se sont sacrifiés pour qu'aujourd'hui, que la population congolaise puisse avoir sa liberté d'expression. Mais
Cela signifie que les institutions doivent fonctionner dans toute la courtoisie, dans le respect des textes qui organisent les institutions de la République. Ils ont dénoncé le fait que l'honorable Jean-Jacques Mamba soit arrêté comme un malfrat et pourtant protégé par la Constitution qui démontre notamment à l'article 107 qu'aucun député ne peut faire l'objet d'arrestation, d'interpellation, de poursuites, sauf en cas de flagrance. Et les membres de la conférence des présidents ont insisté sur le fait que la justice doit observer ses prescrits de la Constitution, parce que pour que la démocratie se consolide dans notre pays, il faut aussi que les uns et les autres, que les institutions, que les responsables, à quel niveau qu'ils soient, qu'ils puissent respecter les prescrits de la Constitution. Si cette arrestation est intervenue sans que les immunités ne puissent être levées, les membres de la conférence des présidents ont soupçonné qu'il s'agissait plutôt d'une certaine pression que subirait la justice. Et nous ne pouvons pas consolider la démocratie avec une justice qui fonctionne à double vitesse. Et ils ont condamné ce genre de comportement. Et nous espérons que, sur base de cette demande telle qu'exigée par la Constitution, parce que l'Assemblée nationale, par le biais de l'honorable président, a sollicité que ces poursuites soient arrêtées, conformément notamment à l'article 107 de la Constitution de notre pays. Les membres de la conférence des présidents ont voulu que l'élan que la République est en train de connaître actuellement en ce qui concerne la confiscation de la liberté d'expression des citoyens puisse s'arrêter. Et la justice ne doit pas être un instrument utilisé pour faire taire les citoyens de la République démocratique du Congo, y compris les députés nationaux qui sont protégés, qui sont couverts par les immunités, comme nous l'avons dit tout à l'heure.